Oui, très heureux, très heureux. C'est une très belle victoire acquise avec la manière. On a fait une mi-temps quasi parfaite, hein, si on ne concède pas ce pénalty qui est très généreux, même si il conclut un moment de fébrilité de notre équipe. Mais on a fait une première mi-temps de toute beauté, on a produit beaucoup de jeux, on a marqué dans le jeu sur coup de pied arrêté, un fantastique coup franc de Karim. Et c'était le strict minimum de mener 2-1 à la mi-temps. Mais puis après, on est reparti avec l'idée de marquer ce troisième but, ce que l'on a été capable de faire. Et je trouve qu'on a très très bien géré notre fin de match. Donc on confirme nos progrès, hein, qui ne s'étaient pas matérialisés par des points, plus de points contre Niort et contre Nîmes. Mais quand on se rend compte qu'à 10 secondes près, on avait gagné à Nîmes, bon, voilà. Je persiste à dire que cette équipe a du potentiel, qu'on a une belle marge de progression. Si le groupe garde cette mentalité, cet état d'esprit, on a encore de belles journées à vivre. On avait beau le dire à l'environnement qu'on était en progrès, qu'on manquait de réussite, il y avait des sceptiques. Là, peut-être que ça va les calmer un petit peu et leur dire, ouais, peut-être ils avaient raison. Donc, d'aucuns étaient très inquiets sur l'absence de buteur. On a un joueur qui, tout d'un coup, marque 4 buts en 2 matchs. Donc, voilà, ça va peut-être amener un peu de sérénité supplémentaire. Et on a des jeunes joueurs, ils en ont besoin. On a pu constater ce soir qu'on a encore quelques petits moments de fébrilité qu'on doit pouvoir mieux gérer. Mais on a encore quelques imperfections à gommer. Mais on peut devenir une équipe très intéressante qui peut tenir un très bon rôle à jouer dans ce championnat. En tout cas, sur le plan tactique, par rapport à ce qu'on avait décidé par rapport au 3-5-2 Tourangeau, amener beaucoup de jeux sur les côtés, les amener d'un côté pour jouer à l'opposé. Dans le respect des consignes, mes joueurs ont été remarquables. Et ça a vraiment bien fonctionné. On a trouvé des décalages, on a trouvé des centres. Et là, je suis vraiment fier d'eux. Et c'est très valorisant pour un coach quand les joueurs appliquent ce qui est demandé et que ça marche. Donc, en ce sens, c'est une très très belle prestation, assez aboutie. Maintenant, ce qui a fait la différence aussi, c'est de notre efficacité. Le fait que Karim nous mette ce coup franc dans la lucarne, ça vient concrétiser un bon début de match et ça nous libère sûrement un peu. Donc, voilà, ça demande confirmation, hein. Maintenant, il faut être capable d'enchaîner de telles prestations.